Bonjour la compagnie. Aujourd'hui, nouvelle vidéo kit 2 minutes épisode 7. Et oui, déjà, ton kit de survie hebdomadaire en 2 minutes chrono, tous les mardis à 17h. Aujourd'hui, je vais te montrer comment fabriquer un hameçon de survie à partir d'une canette. C'est parti. Pour fabriquer un hameçon de survie, il va te falloir une canette. Malheureusement, on en trouve assez facilement dans la nature. Elle se dégrade au bout de 200 ans dans la nature et 50 ans dans la mer. C'est pour ça que je partage ce kit de survie, car on en trouve partout. Donc vous prenez votre canette et vous récupérez la languette d'ouverture. Voilà, c'est avec ça qu'on va faire notre hameçon de survie. Ensuite, on prend notre petite pince coupante. On peut aussi utiliser un couteau pour le bâtonnage ou deux cailloux avec un angle pointu, car on va devoir couper la languette à trois endroits différents. On va déjà couper ici, dans le milieu. Ensuite, on va couper ici. Hop. Et on va enlever ce morceau-là, en coupant bien ici au bout de mon index. Et voilà ce qu'on obtient. Et voilà notre hameçon. Voilà la partie qu'on a enlevée sur la languette. Ensuite, il va falloir faire un petit trou ici pour faire passer notre fil. Pour ça, rien de mieux qu'un petit couteau bien pointu. Et voilà notre hameçon de survie. Voilà, maintenant, je vous montrerai dans une autre vidéo comment fabriquer un fil ou une corde naturelle pour constituer une canne à pêche complète. Ok la compagnie, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Si ça vous a plu, tu connais la chanson, laisse un petit commentaire et un méga pouce en l'air en bas de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, je publie 2 vidéos par semaine. Clique là sur ma tête et regarde d'autres vidéos juste là. Maintenant, portez-vous bien, restez fort et vivez libre. Aouh!